tous. Je m'appelle Florentina Stanciu. Je suis professeure de français au Collège national Ferdinand Ier du département de Bacău, de Roumanie. Et je vous présente mon poème en français à l'occasion de la Journée internationale du professeur de français. La prof de français. L'automne est frais. Il semble avoir le même goût que celui de l'année dernière. Mais dans la salle de classe, il n'y a que le silence et le vide. Devant l'ordinateur, la prof de français attend une rencontre. Google Meet. Les caresses s'allument tour à tour et elle fait l'appel des élèves, virtuel et très colorié. Elle fait l'appel avec plus de chaleur que jamais, en leur envoyant des visages heureux, contents, émoticônes vifs, tel ce jour d'automne. Ensuite, elle leur parle du présent des verbes « être, avoir et aller ». Et les gamins, qui ont peur, très peur, ouvrent largement les yeux. La prof continue de leur parler doucement. « Ne soyez pas effrayés. Sachez que le français est si doux, si vivant, tel un ruisseau. Vous allez l'apprendre petit à petit. Maintenant, vous êtes à peine niveau 1 débutant. » Et alors, chaque élève prend du courage et expérimente Padlet, Mentimeter et BookRater et devient de plus en plus curieux, de plus en plus attentif, tout comme le visage doux de leur prof de français. Avec de la patience, elles continuent de remplir leurs âmes et leur cœur et leur cerveau du savoir et du mystère et des connaissances, même quand ces élèves confondent la cédille et la virgule, les accents aigus et graves. Elle continue avec de la fermeté et avec du calme de leur enseigner le français et la vie. Je vous remercie de votre attention.